Alors, bonjour, voici le nouveau Windows 10 RTM, c'est-à-dire la version qui va être relâchée fin juillet. Alors, voici la version finale de Windows 10, en version très épurée, très flattée, très impressionnante, j'aime bien. Alors, on va voir rapidement quelques fonctionnalités intéressantes. Tout d'abord, je vais retourner sur le bureau pour vous montrer un peu le look. Alors, vous voyez que le bureau est très épuré. On a désormais un calendrier transparent au lieu de juste avoir l'heure. Donc, puis on peut ajouter des rendez-vous à partir du calendrier de Windows. On a le centre de notification qui permet de recevoir nos notifications Facebook, Twitter et autres choses du genre, les alertes de mise à jour de l'ordinateur, toutes ces choses-là. Alors, très très intéressant. Et on peut aller dans le nouveau menu démarrer. Dans les paramètres, l'endroit où on redessinait le panneau de configuration, si vous voulez. Et on peut aller soit personnaliser en choisissant des thèmes, couleurs, dire à notre thème qu'il prenne la couleur principale de notre fond d'écran, ces choses-là. Mais on peut aussi aller définir, exemple, les notifications qu'on veut avoir, lesquels programmes sont autorisés à notifier. Intéressant. J'oubliais, dans le panneau de notification, on a aussi les boutons rapides, un peu comme Android et iOS, dans lesquels on peut activer ou désactiver des services, Bluetooth, ces choses-là. On a le Cortana, qui n'est pas encore disponible au Canada, mais qui est disponible en France et aux États-Unis, qui nous permet de faire des recherches vocales à partir de l'appareil. Très bien fait, pas dérangeant. On a toujours, avec le bouton droit de la souris, le menu d'accès rapide, moi j'appelle ça le Power Menu, là. Dans lequel on peut nous contrôler centre de mobilité, options d'alimentation, observateur d'événements, système, gestionnaire de périphériques, bref, tous les menus importants pour les gens qui sont soucieux de bien contrôler leur ordinateur. Le nouveau navigateur Edge, très bien fait, très intéressant, très fluide, fonctionne merveilleusement bien. Un gestionnaire de favoris qui est intéressant. Ici. Alors, on peut rajouter facilement nos favoris et on peut les voir avec le petit menu déroulant à chaque côté ici, dans lequel on peut aller voir nos favoris, on peut même enregistrer des captures d'écran, se mettre des mémos, ces choses-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut built-in dedans Edge aller prendre des infos. On peut souligner des choses qui nous sont importantes, les encercler, choisir la couleur qu'on veut pour faire. Une petite annotation. On peut se laisser une note ici pour la sauvegarder éventuellement. On peut surligner. Bref, je trouve ça super intéressant. Puis après ça, on a le choix de l'enregistrer ou même de le partager avec qui que ce soit. Très bien fait, navigateur Edge. Belle évolution comparativement à Internet Explorer. Ça fonctionne particulièrement bien. Puis une des options que vous allez sûrement apprécier. Les multiples bureaux. Alors, on voit nos bureaux. Et lorsqu'on les utilise, exemple ici, on a l'application carte qui a été repensée un peu plus comme Google Maps. On a notre application courriel. Le nouveau poste de travail qui a été repensé. Les icônes retravaillées avec des outils de gestion. Exemple, si on est sur le C, ben, on nous offre des outils de gestion pour le C. On peut retravailler complètement les affichages. Puis tout dépendant chaque menu qu'on prend, ben, on a des menus contextuels apparentés à ce qu'on veut faire. Alors, je pense, selon mon opinion humble, que c'est un Windows 10 qui vaut la peine. Alors, n'ayez pas peur de faire la mise à jour. Je l'utilise depuis novembre et je dois vous dire que je suis particulièrement impressionné par le Windows. Merci.